Monsieur le député de Champlain, à vous la parole pour votre déclaration. Merci, Monsieur le Président. Le 15 mars dernier se tenait le Gala Art Excellence de Culture Mauricie. Ce gala récompense les artistes de la Mauricie qui se sont démarqués dans la dernière année. Un homme bien de chez nous a reçu ce soir même un vibrant hommage pour ses 45 ans d'implication. Monsieur René Beaudoin s'est vu décerner la toute première médaille des bâtisseurs de culture Mauricie. Un grand homme, historien diplômé de l'UQTR, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler 11 ans au Collège La Flèche de Trois-Rivières et qui a œuvré dans l'animation et le développement des sites historiques et des musées. Toutes les attractions touristiques sont pour lui des lieux d'éducation populaire où il peut, à sa guise, revêtir son costume de fondeur de cuillère ou de propriétaire de seigneurie. La sauvegarde de notre patrimoine est aussi au cœur de son implication. Il transmet bénévolement sa passion pour notre histoire depuis 1984 en tant qu'animateur et concepteur d'activités à saveur historique, à titre de président de la Société d'histoire de Sainte-Geneviève-de-Vatican ou en siégeant sur plusieurs comités de conservation de patrimoine religieux et en tourisme. René Beaudoin, notre fondeur de cuillère, fait maintenant partie de l'histoire de la Mauricie. Merci, René. Merci à vous, Monsieur le député de Champlain.